Botanabino Banso, Moyo Enu, Jambo, Jambo Enu, Nini Wote, Wasikilizaji, Walugala, Kiswahili, Botanabino Bampanki, Nabeto, Analengo, Moyanu. Oui, bon, il y a quatre langues nationales, bon, si. Je vous salue en cinq langues nationales, ça va, aussi, voilà. Sikoyo tokota na titre na biso. Que dit le titre là, comme vous voyez le titre? Alerte à l'est. Alerte à l'est. Armée numérique. Des vidéos trompeuses. Par exemple, comme la vidéo... d'Herman Cohen avec le Kabanga, ça date de 2011. Où Herman Cohen dit que le Rwanda exerce déjà une autorité sur le Kivu. Bon, c'était la vérité. Pendant les 18 ans, le Rwandais, qu'on appelle Joseph Kabila, c'est lui qui dirigeait. C'était un agent de Paul Kagame. Bah, c'était à cette époque-là, en 2011. Cette vidéo-là, date de 2011, regardez bien. Abraham Lwakabanga est encore plus jeune. Je vais vous montrer la vidéo. L'armée numérique des Rwandais ou des terroristes et leurs supplétifs, oui, hein, M23, RDF, nous envoient des informations. Il faut les analyser avant de les relayer ou de les propager ou de les interpréter comme étant réels. Il y a des vidéos pour nous intimider, par exemple comme la vidéo où il y a Corneille Nanga, je vais vous la montrer aussi, où il y a Corneille Nanga qui montre, voilà, nous avons pris Chacha, nous avons pris cette zone-là. Qui ont pris Chacha? Il n'y a personne. Il n'y a pas de M23 RDF à Chacha. Au moment où je publie cette émission, et il y a une vidéo qui circule où il y a un phare d'essai qui est en train de filmer dans toutes les rues. C'est vrai que bon, la population avait essayé de vider les lieux par peur, mais bon, ils ne sont pas là. Les ennemis ne sont pas là, à Chacha. Donc la vidéo que Corneille Nanga montre là, c'est juste la carte et des intimidations que voilà, nous sommes là, nous avons déjà pris Chacha. Mais non, Chacha n'est pas dans les mains de l'alliance de Corneille Nanga. Je vais vous montrer cette vidéo. Alors... je vous parlerai aussi à la fin de la gourmandise des 39 ministres qui ont été élus députés qui veulent violer la Constitution. Ils ont peut-être déjà saisi la Cour constitutionnelle pour leur dire que voilà... gardez-nous encore être député et en même temps ministre. C'est la violation de l'article 108 qui stipule qu'il y a incompatibilité entre ces deux
ces deux positions, c'est-à-dire être député au Parlement et être ministre, il y a incompatibilité. On viole l'article 108. Je vais chercher cet article-là et je vais pouvoir vous lire cet article-là. Voilà, en parlant de l'armée numérique, nous pouvons parler aussi inclusivement des mensonges de Paul Kagame. Des mensonges de Paul Kagame aux États-Unis, où on a vu le traître Roubaix-Roi. Cher compatriote, Roubaix-Roi, c'est un candidat à l'arrestation. Je propose, quand je dis je, c'est moi et l'ensemble de ceux qui sont membres de notre chaîne, qui aiment notre chaîne, qui nous écoutent, qui nous encouragent. Je propose que dès qu'il arrive, qu'il soit arrêté. Pourquoi on a peur de lui? Pourquoi on a peur de lui? Nous sommes un grand pays, nous pouvons avoir peur de personne. Eh bien, concernant ces armées numériques, bon, parlons un peu de Paul Kagame. Paul Kagame s'est rendu à un déjeuner de prière ou quelque chose qu'on appelle comme ça. Mais Média Congo.net s'est attelé là-dessus. C'est très important. Il y a une organisation non gouvernementale américaine qui détruit Paul Kagame avec tous ses propos. Bon, d'après Human Rights, je ne sais pas comment Human Rights, F, hein, HRF. Oui, aux États-Unis, c'est une ONG. Paul Kagame, le criminel qui projette une image trompeuse d'un leadership épris de paix. Voyez? Attention avec les mensonges sur le net. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Paul Kagame est un ancien officier de l'armée ougandaise. Paul Kagame tient le Rwanda d'une main de fer depuis 1994, 94. Jeudi à Washington, jeudi passé, hein, aux États-Unis, à l'occasion du petit déjeuner national de prière, National Prayer Breakfast, l'homme fort de Kigali s'est vanté d'avoir libéré son pays de la dictature ethnique. Ah, Seigneur mon Dieu. Il s'est vanté d'avoir mis fin au génocide et recréé une patrie pour tous les Rwandais sans distinction. Vous entendez? Vous entendez le chef de ce régime sanguinaire mono-ethnique? Aujourd'hui, contre toute attente, s'est-il réjoui, le Rwanda est pacifique, florissant, entrepreneurial et surtout uni. Un discours trompeur dénoncé par Human Rights Foundation. Voilà, HRF, ça veut dire Human Rights Foundation, une ONG américaine qui promeut la liberté dans les pays dirigés par des régimes autoritaires. Fondation des droits de l'homme, oui. Human Rights Foundation, on peut traduire ça par Fondation des droits de l'homme, oui. Alors, cette Fondation des droits de l'homme décrit Paul Kagame comme un prestidigitateur. Spécialisé dans la manipulation, qui, en dépit de ses nombreux crimes contre l'humanité, se présente au niveau international comme une force de stabilité et d'humanisme dans une région instable.
véritable. Vous voyez? Ce malade, permettez, hein? Ben, il est malade, hein? Il n'est pas en bonne santé. Pour preuve, on le soupçonne d'avoir été opéré au crâne, hein? Il y a des photos qui circulent sur le net là, qui montrent des cicatrices au cerveau et des cheveux arrachés. Mais il y a une grande cicatrice, hein? Il a été opéré au crâne, hein? Et c'est très visible. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Alors, le National Prayer Breakfast de Washington, DC a offert jeudi la scène au dictateur du Rwanda, Paul Kagame, permettant à un belliciste accusé de crimes contre l'humanité de se présenter devant un grand rassemblement des plus puissants de la capitale, a-t-elle dénoncé. Sur la même lancée, chers compatriotes, Human Rights Foundation, la Fondation des droits de l'homme, a condamné l'exploitation par Paul Kagame de la plateforme National Prayer Breakfast, un forum permettant aux élites politiques, sociales et commerciales de se réunir et de prier ensemble pour blanchir ces crimes sanglants et projeter une image trompeuse d'un leadership épris de paix, bienveillant, progressiste et légitime. C'est des Américains. C'est une fondation américaine, hein, qui était présente, hein. Alors, elle est en train de fustiger l'image que Paul Kagame est en train d'exhiber là-bas, hein, dans une de ses déclarations basées sur les nombreux rapports d'enquêteurs internationaux des droits de l'homme et d'experts de l'ONU. La Human Rights Foundation a noté la responsabilité de Paul Kagame dans une longue série d'atrocités de masse, notamment le déclenchement des deux guerres qui ont entraîné la mort de plus de 5 millions de personnes et le massacre de dizaines de milliers d'innocents au Rwanda et en RDC. Vous entendez ça? Notamment des femmes, des enfants et des réfugiés. Et en finançant des milices brutales impliquées dans le pillage illégal de minéraux précieux. Vous suivez? Bon, français à langue nationale, la Bissau. Donc, la canici bissonnante aux alicoyocas. De temps en temps. Donc, comme Macambo est un français, Toyoki. Bon. Human Rights Foundation et Zaliba américain. Bah, américain, Oyo, bah, c'est pélité. Na image Yamabe Oyo, Paul, image Yalokuta, Oyo, Paul Kagame, Azali Kolakisakuna. Donc, avant de continuer, Bandeko, Nala Kisabino, Naino, bah, vidéo. Na ba image ya zone wana. Bon, remarquez Lokuta wana. Donc je comprends bien que depuis que deux bombes sont tombées sur Goma, la toile s'est enflammée, hein. Les Congolais vraiment sont en colère. Ils se demandent, mais président a promis à qui? Donc à quoi attaquer Rwanda? Journini à quoi attaquer Rwanda? Je comprends. Moi-même aussi, je me pose la question, quand est-ce que il va attaquer? Nous savons que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, les Britanniques et consorts. Mais rien ne nous empêche, nous, de nouer des alliances militaires avec la Russie. La Corée du Nord, hein, pourquoi pas? Il faut leur faire peur aussi, hein. Il faut leur faire peur aussi. J'ai vu récemment que le président avait reçu l'ambassadeur de la Serbie
Mais on peut louer des mercenaires, hein? Il n'y a pas de honte. Vous savez que ce serait honteux pour le président de la République si la ville de Goma tombait. Ouais, je sais que c'est aussi difficile pour eux parce qu'ils nous mènent une guerre là, une guerre de guérilla. Ils se déplacent de montagne en montagne. Mais le problème, c'est un jeu de ping-pong qui peut durer longtemps. Et ça fait 5 ans que le président de la République est là, mais ils sont toujours là, dans ce jeu de ping-pong. Ils viennent, ils attaquent, ils occupent. Après, ils sont chassés. Après, ils s'en vont ailleurs. Ils attaquent, ils se déplacent de colline en colline. C'est une guérilla. C'est une technique de guérilla, ce n'est pas une guerre classique. Donc pour en finir une fois pour toutes, il faut attaquer le Rwanda. Les États-Unis vont nous faire quoi? Nous attaquons le Rwanda. À distance, comme il avait dit, nous lançons, nous ciblons des sites militaires. Eux, ils nous attaquent, nous nous défendons toujours. Chez nous, dans notre pays, vous trouvez ça normal? C'est normal que les Congolais puissent râler. Bon, faut pas que ce soit trop long aussi. Regardons ces images-là. Des revenus, des impôts, des royalties, etc. Et tout le monde va gagner, n'est-ce pas? Mais quand une réaction que j'ai eue des intellectuels du Congo, c'était: Oh, vous ne voulez pas que nous gardions notre souveraineté. Vous voulez partager la souveraineté de Kivu entre nous et le Rwanda. Mais ce n'est pas du tout ça. Le Rwanda déjà partage la souveraineté de Kivu. Et si vous parlez aux gens du département d'État, ils ont dit, Kivu, ça fait partie du Rwanda maintenant. Il faut être réaliste, n'est-ce pas? Donc j'ai proposé un marché commun. Un marché commun où tout le monde peut gagner, le Congo peut gagner des impôts et tout ça, des douanes, des frais de douane, etc. Et je crois que la réaction du côté du Rwanda était plutôt favorable. Évidemment, je voudrais revenir un peu parce que pour nos téléspectateurs, parce que c'est un problème d'aujourd'hui. Bandeko, Nasali recherche, il y a vidéo, vidéo, Oyobozali Kotala, donc on a découvert Yangona 2011, peut-être Natala Yangona 2011, hein? Période où on a Lwakabwanga Abandaki diffusé na YouTube, hein? Na combo ya code 243. Donc à cette époque-là, c'est Kabila qui était président. Kabila c'était un agent rwandais de Paul Kagame. Paul Kagame lui-même disait que ils sont tous dans ma main ici, ils viennent tous me consulter. Ils se présentaient comme le, je sais pas, le gestionnaire du Congo, que le Congo lui appartenait, les minerais, tout ça, il les exportait, il les pillait, et c'était lui le producteur. Donc, c'est pas nouveau ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, chers compatriotes, je soupçonne cette vidéo comme étant une vidéo de l'armée numérique des terroristes. Voilà, si vraiment ce prétendu fardessé est réellement un fardessé, le nôtre, pourquoi il est cagoulé? Pourquoi? Plutôt, pourquoi a-t-il ce capuchon-là? Et pourquoi il met des lunettes noires? Et puis il a un masque noir devant lui. Donc, il se cache. Il se cache en même temps dans cette vidéo dont je vais vous remettre le son. Il dit que, bon, Yomokotala. Ce qui au Kokikosololana Batunayo Bazalina Nord Kivu au Sololana Bango
Mais Consolola, donc, il s'agit d'un dialogue, mais c'est ambigu. Et puis ce qu'il raconte là, qu'il n'y a pas d'armes, ça n'arrive pas. Bon, moi je soupçonne, jusque-là je soupçonne et j'ai des raisons de penser que il est en train de raconter n'importe quoi, parce que les bombardements et le nombre de morts des Rwandais par Sukhoï, ça se prouve sur le terrain. Lui dit qu'on nous coupe le contact, on nous envoie ailleurs, les Sukhoï bombardent ailleurs. En tout cas, chers compatriotes, j'ai des doutes là-dessus. Donc il ne faut pas embrasser tout de suite ça comme des vérités avérées. Il faut vérifier. Voilà, il se cache tout le temps. Il ne veut pas qu'on découvre son visage. Il craint qui? S'il dit la vérité, qu'il se défende. Même si les chefs viennent lui demander des comptes, qu'il ait le courage de se défendre et de demander la protection. Voilà, c'est comme ça que quelqu'un peut dire la vérité. Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Est-ce que c'est un fardessé? Est-ce que ce n'est pas un terroriste habillé en nouvelle tenue? Bon, c'est des questions que nous nous posons. Je ne crois pas, moi, Symphorien, Mbalandaï, je ne crois pas à la véracité de cette vidéo. Suivez vous-même. Il dit tout le temps, Solola, na Batunayo, Bazali, na Nord Kivu, voilà. Suivez. Ok. Félix Antoine, en tout cas, Son Excellence, Nazo Ibisayo, président Nanga, Ezala, ba généraux, Ezala, ba colonel, Onyo Soza, na bango kotoyo, Bazo Kosa yo, Bazo Ibiso, biloko moko ya pamba. Bazotinda biso na zamba po bakende nde koteka biso. Tango tozokende, ezala sokoi, ezala avion de chasse o ezokende. Ezokende kobeta nde musika, ezobeta nesika mungu na zate. Ezobeta nde biso moko. Me biso toye, poto bundela mboka. To reganye parti na biso ya mabele, oyo ezali okipe pa mungu na. Me tozo zongote, ezandenge nini. Yo moko, naba ministre na yo, na ba genero na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango po tozala na solution correct po awa biso toye musala me makambo ezolekana tozomona eza clarté te boyebisa biso eza nini soki bolingi ke totika ngo tozonga pe pana biso po totika pe mabele na biso totika ngo tozonga po tozomona en tout cas toye boyende koteka biso yo na batu na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango po biso tozala na solution correcte po eza oyo boye te en tout cas Son Excellence tozosenga yo na bolimbisi nyonso oyeba ndenge nini ya kosolola na batu na yo nyonso baza na Nord Kivu mabele nyonso Nord Kivu ekomi bakomi koteka nde biso tozokende bazokende kotika biso na maboko ya munguna akata biso liaison mampinga leta bakata biso liaison ndenge wana. En tout cas, est-ce que okondima koza na basoda to oza na bango te? Ndenge nini bazokata biso? Goma. Goma, Goma, Goma. Soki Goma etombe, yeba ke Kongo mobimba etombe. En tout cas, o répondre biso ozwa souci na biso toza nango biso bana mboka. Tozo bundela nde mboka na biso tokolinga te parti na biso amabele bayibango na mutu mususu. Biso moko tozala nango. En tout cas, mon président, ça l'effort nyonso s'il fallait qu'on changer bango pour te causer la bonne côté to kufa biso nyonso to kufa pe to kosi lao en tout cas to zo senga yo bongo minduka minene zate bazo tangi se biso manduka minene lokola ngai na tangi nano kano sans recul eza na bato batangi 14.7 eza na bato batangi 12.7 eza na bato batangi SPG9 me tozomona ngo te tozokende kobunda na nini tokende kobunda kaka na kalashi na maboko me munguna aza na barme nyonso ya minene
Mais biso toujours que nous avons un calache dans ma boko. En tout cas, Oyoana Goma et Zamakamu Moussousou. Son Excellence, Tata Sokozi solution, Yamakamouana. Zo solution pour Tolonga. Sokite, Togolonga te. Batoana Bagoya Golonga biso. C'est vrai qu'il parle avec notre accent, l'accent de l'Ouest, mais bon, c'est à vérifier, c'est à prendre avec des pincettes. J'ai essayé de faire ce qu'on appelle une critique historique. J'analyse, je dis qu'il y a des doutes. Donc, c'est une façon de faire peur ou de faire en sorte qu'on change des chefs qui travaillent peut-être bien et qu'ils en ont marre de ces chefs-là, qu'on les change afin qu'ils trouvent du répit. Et peut-être. On ne va pas changer les têtes n'importe comment. C'est au président d'évaluer. Il a des spécialistes autour de lui. Analyser. Hein. Voilà. Nous allons regarder un peu autour de Chacha et je vais vous dire quoi là-dessus. Botala bien Kartoyo. Kartoyo Ezali. Carte ya région ya Goma. Donc Esika oyo Ezali Mwindo ou vert foncé. Ezali lac Kivu. Oyo yonso lac Kivu. Ezala kana moi été ni à Lakawa, mais ezali toujours lac Kivu. Il y a une jonction ici. Donc Goma se trouve ici, hein. Regardez le lac, je pense que vous ne voyez pas le curseur de ma souris. Donc Goma Ezali Awa. O Ezali route nationale 2 Ndenge Bakomi. Ezokende jusque à Sake. Ça fait 27 km de Goma jusqu'ici à Sake. Ça fait 27 km. Donc moi Eteni à lac. Lac Ivou, hein. Donc, Zela et Zali Kolongwawa, Bazali Kobengango, toujours la nationale 2. Et Zokende, jusque à Chacha. Chacha et Zali, moi, village. Bon, c'est une cité, hein, une localité. Kolongwa, Saketi, Chacha, c'est environ 7 km. Environ 7 km. Mais. De Chacha, on va vers le sud, vous arrivez jusqu'à Minova. Au moment où je vous parle, na minute, yo, Banguna Bazate, na Chacha Bazate. Donc, bota la vidéo, y a René de l'UDPS. Azana vidéo, Anna. Donc, Fardessé, Bazali Kotambo, la ville, wana, Batu, Baza presque te, Bakimaki. Mais Banguna, Barebel, Bazawana te. Mais, Bazali Kolakisananyo, comment on a yenani? Corneille Nanga. Azali Kolakisa, Esiko, oh, voilà, Tozaliawa. Azali kolakisa carte to kangi chacha objectif na biso on va bloquer Goma patati patata. Il raconte un tas d'histoires pour intimider Azali ko pesa bobangi intimider faire peur mais non. Et pourquoi il se cache? C'est triste. Hein? Voilà, chers compatriotes, à présent, je vous montre le mensonge de Corneille Nanga.
Vendredi au soir, nos forces ont pris Chacha et bien entendu, les forces de l'Alliance servent déjà aussi Saké. Notre stratégie est maintenant. Vendredi au soir, nos forces ont pris Chacha et bien entendu, les forces de l'Alliance servent déjà aussi Saké. Notre stratégie est maintenant. Vous entendez? Il dit qu'ils ont pris Chacha. Que les forces cernent aussi Saké. Voilà, en conclusion, mes chers compatriotes, on peut dire que peut-être qu'ils se sont trouvés à ces endroits-là d'une façon éphémère et qu'ils ont fui, hein, parce que ils utilisent une technique de guérilla, ils viennent, ils attaquent, ils restent quelques heures, après ils sont délogés, ils vont se cacher en brousse ou parmi la population, ils s'habillent en civil. Et d'ailleurs, ils ont un atout, hein, dans la population locale. La plupart de ces habitants-là parlent Kinyarwanda. Il paraît que c'est des Hutus et des descendants de Rwandais qui sont là, qu'on considère comme étant des Congolais naturalisés. Comment? Je ne sais pas. C'est un spécialiste de cette zone-là qui dit qu'il y a des populations qui parlent Kinyarwanda. Ils en profitent, comme ils parlent aussi Kinyarwanda, ils s'immiscent parmi la population. Mais on sait toujours les dénicher. Hein. Dans un contrôle, par exemple, nos populations parlent Swahili couramment. Mais la plupart parle beaucoup plus Kinyarwanda et ne maîtrise pas le Swahili. Voilà, chers compatriotes, je passe au dernier point dont je vous ai parlé. Je vous ai promis de parler de la violation de la Constitution en son article 108 par les 39 ministres devenus députés. Ils ne veulent pas partir. Apparemment, chers compatriotes. Alors, là-dessus, toujours avec nos amis de MediaCongo.net, les ministres élus députés ont jusqu'au 7 février pour choisir entre le Parlement et le gouvernement. Mais il paraît, chers compatriotes, qu'ils ont déjà introduit une demande d'interprétation de l'article 108 pour qu'ils se maintiennent comme parlementaires et en même temps ministres. Ils seront jugés partis, c'est incompatible. Je viens d'apprendre que le prochain gouvernement, c'est au mois de mai. Mais d'ici jusqu'au mois de mai, alors que les élections ont déjà eu lieu, ça ne va pas. Hein. On ne peut pas les accepter. Hein. Soit, nous allons lire cet article. Cet article date du 27 janvier 2024, mais cet article est toujours à jour, on peut toujours le lire pour comprendre les motivations de ces gourmands qui sont toujours obèses. Ce n'est pas moi qui ai utilisé le mot obèse, c'est le ministre qui est déjà ex-ministre ou ministre sortant. Il le disait au Parlement, il s'appelait encore. Est-ce que c'est Liaou, peut-être? Ah oui, le gouvernement a été obèse, il plaidait pour
La lutte contre le train de vie. Voilà. Eh bien, que dit cet article? C'est une exigence de la Constitution de la République qui consacre l'incompatibilité entre les fonctions du député national et celles du membre du gouvernement. Comme pour chaque législature, depuis 2006, les ministres élus députés nationaux ne devraient plus continuer à garder leur poste au moins 8 jours à partir de la première plénière. Et je vous informe que la première plénière a déjà eu lieu, sauf s'ils opèrent le choix de ne pas siéger à l'hémicycle pour conserver leur poste. Il reste 2 jours. Donc c'est jusque le 7 février. Les 39 membres du gouvernement Samalukon des deux élus députés nationaux, y compris le Premier ministre lui-même, savent qu'il ne leur reste qu'au moins 2 jours à partir d'aujourd'hui pour quitter le gouvernement. L'article 108 de la Constitution stipule ce qui suit. Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Membre du gouvernement, membre d'une institution d'appui à la démocratie comme la CENI, membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité, magistrat, agent de carrière des services publics de l'État, cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de collectivité chefferie et de groupement. Mandataire public actif, donc un chef de groupement, un chef coutumier, bon, nos rois traditionnels, hein, qui ont été minimisés par les colons en les appelant des chefs coutumiers, des chefs de tribu, ils les ont minimisés, mais pour nous, c'était roi traditionnel. On peut changer de nomenclature comme au Ghana, au Nigeria, ils sont des rois. On les appelle des rois, pas des chefs de tribu, chefs traditionnels, chefs de groupement, mais c'est des rois. Il faut les respecter. Alors, il y a aussi un employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte. Il ne peut pas à la fois être député et occuper cette fonction-là. Ou tout autre mandat électif. Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international. En application de cette disposition constitutionnelle, Adolphe Mouzito avait démissionné de son poste de Premier ministre en 2011 pour siéger à l'Assemblée nationale. Voilà, il y a une jurisprudence. Mes chers amis, ne soyez pas trop gourmands, vous vous êtes assez enrichis, laissez la place aux autres. Il y a les secrétaires généraux qui peuvent continuer à gérer vos ministères, allez siéger au Parlement, un point, un trait. Sinon, vous aurez affaire au peuple. La population, quand elle descend dans la rue, ne réfléchit plus. Hein. Donc, En 2019, 28 ministres
élu député national, dont chez Okitundu des Affaires étrangères, l'imprimé de la communication et médias, Gaston Semena Bongala de l'EPSP, ou encore Papi Nyango Iziamai, des sports et loisirs, avait fait le choix d'abandonner le gouvernement pour l'Assemblée nationale. Et je m'arrête là, c'est pigé. Donc, Soki Balongwete, Batikaliwana le 8, le 9, etc., bah violer constitution, ils sont passibles d'être mis à la porte manu militari. Ah, mais oui. Ça viole la constitution. Ça viole l'article 108. Voilà. Bakende Kovanda na assemblée. Bakende Kovanda Bakis na Bango. Il y a députation. Bassa la Baloi. Voilà, chers compatriotes. Je pense que nous avons assez parcouru l'actualité. Ce que les Congolais attendent maintenant, c'est que le gouvernement agisse. Tobanga ba américain te bakosa biso le côté président ozana peuple. Ozana peuple tozana yo to défendre yo. Bango bazali ko attaquer biso tozali et pas la biso. Depuis qu'ils ont commencé là, pourquoi est-ce que ils n'arrivent pas à prendre Goma? Leur technique de guerre. Oui, leur technique de guerre ne leur permet pas d'arriver à Goma. C'est une guérilla. Et ils arrivent, nous les chassons, ils vont se cacher, ils reviennent. Mais nous devons trouver des voies et moyens d'éradiquer ces forces. Mais je suis sûr et certain que si nous lançons quelques missiles à Kigali ou à Gisenyi là tout près, ils vont se demander. Je pense que les armes qui sont arrivées dans le pays, nous sommes capables d'affronter et les Ougandais, et les Sud-Soudanais, et le Kenya, parce que nous apprenons que ils se sont ligués, hein, ils sont déjà en coalition pour nous attaquer, hein, afin de nous pousser au dialogue. Mais non, c'est pas possible, nous n'acceptons pas ça. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La victoire est à nous. Nous sommes chez nous. Nous allons nous défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Voilà.